Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série de l'élevage breton. Je tenais vraiment à vous remercier pour l'épisode numéro 1, plus de 8000 pouces bleus, plus de 300 commentaires. Merci beaucoup pour tous vos retours positifs, ça fait super plaisir. Aujourd'hui du coup on est parti, épisode numéro 2. Et bien les amis, on se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Bon les amis, j'espère que vous êtes tous super bien. Pour cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Hugo. Salut Hugo. Salut. Est-ce que tu vas bien? Ah, très bien, et toi? Bah écoute, ça va super bien. Je vois que tu es prêt à pêcher pour cette vidéo. Mais ah, non, ouais, hein. Hugo, pas de pêchage aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on a du travail. Oui. Alors, le palier numéro 1 a été bien avancé. On a fait énormément de choses. On a fait en live, du coup, le lendemain de la vidéo. On a fait. Hugo a pas mal bossé aussi hors vidéo. Ce qui fait, les amis, que du coup, vous avez trouvé le dernier objectif du palier numéro 1 qui était du coup de faire 30 bottes d'herbe. Donc, du coup, Hugo, on en a fait combien nous? 19 ou 20, je crois. On a fait 19 ou 20 bottes. Donc, du coup, dans cette vidéo, il va falloir qu'on termine de faire ça. Et le palier numéro 2, vous inquiétez pas, je vais vous le présenter juste après. Du coup, on est parti. Aujourd'hui, on termine le palier numéro 1. Du coup, de ce qu'on a fait hors vidéo, on a fini le fauchage, on a fait de l'endainage, on a pressé et vendu du coup les bottes de paille pour environ 4200 euros, donc ce qui nous a permis de rapporter un petit peu d'argent. On a terminé la mission de labour. Hugo nous a rapporté combien la mission de labour? 1000 euros, non, 1500 euros. 1500 euros, donc c'est pas beaucoup, mais vous inquiétez pas, j'ai mis le mode pour avoir la mission x2. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un arbre, Hugo, dans le live du coup de la semaine dernière. Ouais, il y avait un arbre qui était là, je l'ai coupé et je l'ai vendu, je crois, pour plus de 3000 euros, je crois. Donc franchement, ça valait vachement le coup. Donc au pire des cas, préparez des objectifs pour les prochains paliers de bois, parce qu'il y a moyen qu'on coupe tous les arbres de cette map et on est milliardaire. Voilà, donc on verra bien. Ouais. Bon, alors du coup, on est parti. Ce qui s'est passé, c'est que Hugo a voulu bosser, mais comme jamais. Donc ce champ qui est juste ici a été moissonné en soja. C'est ça ce que tu as fait en vidéo. Tu as moissonné le champ en soja et redéchaumé et il a ressemé en herbe. Non, mais le mec il est incroyable. On a quand même essayé de bien avancer hors vidéo, les gars, parce qu'il faut que l'épisode numéro 2, il fallait qu'il se passe beaucoup de choses. Parce que si on n'avance pas, ça va être un peu compliqué. Donc là, on a du coup du soja. On a 13 000 de soja. Donc du coup, bah, c'était le champ qu'on avait commencé à semer en live. Bon, moi je vais aller vendre directement là. Bon, le soja il est à 1000 balles. Donc Hugo dit que ça pouvait monter un peu plus haut, genre à 1200, je crois, 2000. Ou 2000, même 2000 balles. Mais là, il nous faut absolument de l'argent parce qu'on a plus que 12 000 euros. Mais bon, dans cette vidéo, on aura quand même pas mal de choses à faire. Le portail. Ah non, le portail, je l'avais modifié. Les amis, le portail, je l'ai modifié. Sauf que j'ai pas réimploder la map. Super. Du coup, le portail est toujours transparent. Mais bon, c'est pas grave. Donc, allez, fais-nous un petit peu de tout. Après, tu rentres à la ferme, tu ramènes la faucheuse. Et puis après, tu ramènes la mousse-batte. Hein. Vas-y, bah écoute, on fait ça. Et là, va falloir qu'on. Alors, on va quand même essayer de modifier pas mal de la ferme, mes amis. Pour essayer d'améliorer le décor. Parce que là, franchement. Bah, déjà, fais un petit chemin. Fais des petits chemins. Ouais, un petit peu, j'ai pas des petits chemins. Comme là, l'entrée, en fait. Oh, mec, la thune. Allez, 25 000. Mec, on a 27 000 euros, Hugo. Impeccable. 27 000 euros. Bon, bah écoutez, c'est impeccable, les amis. Donc, ce qu'on va faire, Hugo, il va falloir que tu finisses la mission que t'as pris, mission d'épandage. Ouais, du coup, attends, c'est quoi que t'as pris? Épandage. Oh, mec, ça vaut le coup. Hein. Les missions, comment le prix a augmenté. Regardez, 5 000, 3 000, 4 000. 4000, 5000. Honnêtement, j'ai acheté une palette d'engrais. Honnêtement, ouais. Je vais faire que 10 missions le temps que je la finisse. Hein. Vas-y. Bah, au pire, faut la garder même pour nos cultures à nous. Hein. Ouais, mais après, on peut en racheter. Mais là, c'est juste au moins pour finir toutes les missions. Là, j'ai une mission à 5000, une mission à 3000, j'ai la faire. Vas-y, ça va faire 8000. En tout cas, l'ami, vraiment, mais vraiment, merci beaucoup pour vos retours positifs pour l'épisode numéro 1. Ça me fait trop plaisir. Demain soir, on est en live, les amis. Live sur la chaîne principale. Alors. Ceux qui ont vu, il n'y a pas eu la rediffusion. J'ai eu beaucoup de questions de ça, il n'y a pas eu la rediffusion. Mais il y a un best-of qui sort sur la chaîne secondaire. Et beaucoup de gens ont dit que Starview ça va pas parce qu'en fait c'est trop coupé, on comprend pas. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que le prochain épisode sera vraiment comme une rediffusion, mais avec du montage vraiment juste pour dynamiser la chose. Et tout ce qu'on va faire ne sera pas coupé. Comme ça, ça sera vraiment comme une rediffusion. Donc voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir des rediffusions de 2 heures qui apparaissent sur la chaîne principale. Ça fait un petit peu. C'est pas très beau. Ouais. Bah tiens, j'ai une question. Oui. L'épandeur, c'est à nous? Non, il est en location. Non, je l'ai loué. Ah, tu l'as loué? Ouais, l'épandeur est en location. Ouais. Vas-y, attends, okay. Ça, je laisse ça. Toi, il faudrait le délouer et puis acheter un pulvé pour faire les herbicides et tout ça. Et du coup, regardez, là, j'ai mes bottes d'herbe du coup qu'on a fait. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on a exactement 10 bottes à faire en plus. Donc bah, écoutez, bon, tu peux prendre l'argent. Déjà? Mais what? Quoi? Mec, comment t'as fait? Ah mais attends, oui, c'est vrai que cet épandeur, vous l'avez vu en live, il épand, mais genre sur 30 ou 40 mètres, même peut-être plus. Vas-y, mec, c'est impeccable. Allez, 32 000 euros. Attends. Bah écoute, au pire, ce que je vais faire, Hugo, c'est que je vais directement aller faucher. Hein. Comme ça, ça sera fait. Hein. Attendez, ouais. Je vous montre directement le palier, du coup, numéro 2. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à proposer en commentaire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les objectifs des paliers. Je vous le dis, au palier numéro 10, la série est terminée.
Donc faut quand même les faire durer assez longtemps. Et il y en a certains qui ont dit mais Starbo c'est trop bien de faire des paliers, mais est-ce que tu pourrais faire des paliers où c'est que tu gagnes de l'argent pour les véhicules, pour les champs, et un palier qui soit dédié pour les décos? Alors je pense pas qu'on va faire ça, en tout cas pour peut-être de prochaines séries on fera ça. Mais là je fais pas envie de mélanger les paliers déco, paliers ça, parce que sinon vous allez être complètement perdu. Donc pour l'instant ce qu'on fait c'est que genre le palier numéro 2 normalement on va débloquer le prêt à la banque, c'est ça qu'on avait décidé avec Hugo. Ouais bah, moi je pensais que c'était palier 1 mais... Non en vrai palier 2 parce que palier 1 on a 50 000 euros de champ. D'ailleurs dès que ce palier est terminé, c'est à dire dans je pense dans 5-10 minutes ça devrait être bon, parce qu'on va essayer de bien avancer en vidéo là, on va essayer de finir ce palier dans cette vidéo. Et du coup le palier numéro 2 je vais vous le montrer directement. Alors il faut qu'on possède 3 tracteurs. Donc déjà ça a demandé un petit peu de travail en vrai, 3 tracteurs. Mais bon on a quand même 34 000 euros plus 50 000 euros de champ. En vrai ça devrait le faire. En plus les bottes d'herbe Hugo, est-ce qu'on les vendrait pas? Bah il faudrait louer une rubaneuse et puis les vendre. Ouais ça, attends, je vais mettre ça comme ça. Hop là. Ensuite palier numéro 2, il faut qu'on place notre premier enclos. Alors vous allez voir, j'ai mis énormément de mods d'enclos, de poules, de moutons. Enfin bref j'ai mis vraiment beaucoup de choses. Par contre je me suis fait des oublis. Déjà ouais, ça commence bien. Et du coup, le troisième objectif du palier, c'est d'avoir plus de 50 000 euros sans prêt à la banque. Donc, franchement, Hugo, on n'y est pas loin. Genre, on a 34 000 euros. Bon, on a quand même quelques achats à faire, des enclos et tout. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est que le palier numéro 2, on le termine genre à la fin du prochain épisode. Ça serait bien, franchement. Parce qu'on va quand même live une bonne partie. Bah, du coup, tout de même, on va live. Bon, on va terminer de faucher. Comme ça, après, on va essayer d'endiner, de presser avec Hugo. Comme ça, on termine ça. Et après, on va essayer énormément d'investir dans les bâtiments. Enfin, bref, faut vraiment que la ferme soit quand même un peu plus belle. Parce que là, le sol, c'est que de l'herbe et tout. Faut vraiment que la ferme, elle prenne vraiment. Enfin, vraiment que la ferme soit beaucoup plus belle, quoi. Franchement, parce que là, elle est vraiment très très simple. Après, on a pas beaucoup d'argent, donc c'est aussi normal. Donc, ouais. Du coup, les amis, c'est parti. Bon, on avance ça et on se retrouve juste après. Les amis, je crois qu'on a enfin terminé. On est, je crois, à 10 ou 11 bottes. Attendez, on va compter. Alors, comptons les bottes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bottes. Les amis, on a 11 bottes. Donc, le défi est officiellement terminé. On a terminé, Hugo, le palier numéro 1. Impeccable. Impeccable, mec, GG. Bon, ben, nickel. Hein. Et le Noël est passé. Noël est passé. Du coup, on a gagné, les amis, 50 000 euros de champ. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on s'achète comme champ, Hugo? Alors, moi, j'aimerais... Le 18 et le 17. Le 18 et le 17. Et 22 000 euros. Moi, je comptais prendre, par contre, le 14. Le 14. Le 14 ou le 15, parce que le 14, c'est vraiment à côté de la ferme. Viens dans le buggy. Regarde, Hugo, viens dans le buggy. Ah, le 14. Vas-y, bah, go prendre le 14. Moi, je suis chaud pour le 14, et plus tard, on pourra prendre le 15, et voilà, enfin, franchement, ça peut être bien. Donc, si t'es chaud, Hugo, on prend le 14. Vas-y, go prendre le 14. Vas-y, ok. Du coup, c'est bon, t'as envoyé 50 000 euros, Hugo? Ouais. Vas-y, bon, on aura eu 50 000, bah let's go, hein. Allez, c'est acheté. Bon, bah ouais, logiquement, on a 3 000 euros à dépenser dans les champs, sauf que 3 000 euros, je suis pas certain qu'on ait beaucoup de champs à 3 000 euros. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Non, on a rien, 3 000. Non, 8 000, non, 19 000. Quoi ? Attends, elle coûte 118 000 euros, elle est partie de 0,18 hectares, c'est quoi ce délire ? Ok, bon bah Hugo, on a un nouveau champ, est-ce qu'il est semé ? Non, il est pas semé, donc on va pouvoir mettre un tracteur à semer. Du coup, on est parti, donc palier numéro 2, posséder 3 tracteurs. Hugo, on avait une petite idée, on a réfléchi tout à l'heure. Et je crois qu'on a assez d'argent pour le sacher en fait, logiquement. Non, c'est 51 000. Ah ouais, merde. Attends, du coup, je vais essayer de le montrer dans la vidéo. Donc, si on dit 54, normalement, c'est bon. Ah ouais, du coup, on voulait s'acheter celui-là, le Renault TX. Juste, il coûte combien de frais de... Non, il n'y a pas de frais journaliers, c'est bon. Sinon, il y a le petit 103-54, mais il est pas fou, je crois. Bon, bah du coup, les amis, on va devoir attendre qu'on ait ces fameux sous, parce que lui, en vrai, c'est un tracteur qui est pas mal, il fait 110 chevaux, mais en plus, il est assez mythique, donc je me dis, ça peut être bien. On le mettra avec chargeuse avant, parce qu'on compte avoir des animaux, donc parfait, vas-y, c'est nickel. Du coup, on fait quoi? Tu voulais pas faire de la déco et de mettre un enclos? Ah oui. Ah, attends, parce que du coup... Ça va prendre 7 000 euros de budget, alors ça va peut-être le faire, hein. Ok, bah attends, du coup, les amis, ce qu'on va faire, vu qu'on a un petit peu le temps, je vais faire 2-3 petites décorations. Bon du coup on va perdre un petit peu d'argent, mais bon on va dire que le champ 14 on le récoltera potentiellement dans le live qui va arriver demain, vu qu'on va essayer de le semer aujourd'hui. Ouais. Attends, bah du coup je vais ramener la batteuse déjà, ça sera fait. Oui. Je vais ramener la batteuse et à voir si on mettrait pas 2-3 petits bâtiments sympas. Alors j'ai mis le mode aussi pour que le sol soit gratuit. Les modifications de sol et de terrain soient gratuits, amis, parce que c'était un peu cher. Genre vraiment on avait mis 3 coups de peinture, on avait perdu 20 000 euros, donc on va vraiment mettre ça en place. Donc encore une fois, à vous proposer les deux prochains objectifs du palier, sachant que bah, du coup on va essayer de s'acheter des animaux, alors peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais peut-être dans le prochain épisode on essaiera de vraiment essayer d'acheter des animaux.
Parce que là, il faut quand même qu'on économise, Hugo, pour la thune, quoi. Vraiment, là, faut qu'on économise. Ah ouais. On va ramener la batteuse, donc là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme bâtiment ou comme décoration? Déjà, je voulais faire des petits chemins, déjà, de base. Donc, on va faire des petits chemins. Niveau des textures, hein, mettre du gravier, peut-être. Genre... Ah oui, déjà, ici... Alors, du coup, ouais, je l'ai pas dit, mais du coup, j'ai mis une petite zone juste ici, amis, c'est pour modifier les véhicules. Comme ça, ça fait une petite zone de déco. Enfin, je trouve que c'est plutôt sympathique, ça... Ça rajoute un truc en plus. Là, on est bon. Ok. Bon, tu mets un petit bâtiment, tu mets des petits chemins. Ben moi, je suis chaud de remettre un petit bâtiment pour la femme, quoi. Parce que nos bâtiments sont à la moitié dehors, quoi. Nos bâtiments sont à moitié dehors. Ouais, d'accord. Non. Nos véhicules sont à moitié dehors. Bah, tu remets un assez grand bâtiment pour même pour ranger le matériel de loot. En fait, okay, écoutez combien le bâtiment qu'on avait mis pendant la carrière, celui là, le tout premier en bois là. 86 000. Ah. Alors les amis, peut-être ce bâtiment on l'aura, hein, ouais, on le remettra pas trop en jour parce qu'il est grave bien, c'est vrai. Pourquoi tu prends pas celui-là de la Vologne. Ouais, carrément, on peut essayer de le mettre. Alors on le met où par contre, parce que c'est la vraie question, quoi. Ah bah ça, après ça, moi, j'ai trouvé le bâtiment, après tu le démerdes à le placer. J'avoue, je sais pas où est-ce qu'on pourrait le placer. De l'autre côté de la route. Ouais, moi j'aurais dit peut-être de l'autre côté de la route, genre... Parce qu'en vrai, les amis, déjà, on va essayer en place un enclos à moutons, on le placera ici. C'est un enclos libre, du coup, on pourra mettre des moutons un peu partout. Et il faudrait un bâtiment pas loin, quoi. Mais du coup, autre côté de la route, oui. Après, est-ce qu'on le met dos de la route? Déjà, la partie qui est ici en hauteur, on va la remettre au sol. Ah non, la partie qui est en hauteur, moi, je trouve ça bien, justement. Ah, tu peux la laisser? Ouais, ouais, moi, j'aime bien. Bah, j'ai une idée. Il y a deux positions différentes. Soit on le met derrière le buisson, enfin, devant le buisson. Tu vois, genre là, t'avances. Et là, il serait pile à ta gauche. Pile à ta droite, pardon. T'es chaud quand je vais mettre un truc comme ça? Vas-y, hein. Allez, vas-y. 3, 2, 1, les amis. On est parti, comme ça. Attends, il y a peut-être du... Ouais, non, ouais, non, c'est bien comme ça. Moi, je trouve ça pas dégueu. Genre, est-ce qu'on a des branches qui rentrent, mais en vrai, ça pourrait... Ouais, après, là, après, on le coupera au pire. Non, mais c'est délire, c'est délire. Ouais, c'est délire, si tu veux. Est-ce que bon, le fond, on le met en gravier ou on le met en terre? Parce que ça, j'avoue qu'en terre, ça ferait peut-être plus l'ambiance de la ferme. Moi, tu peux le mettre en terre. Là, je vais juste faire un truc en terre derrière pour qu'on puisse dire qu'on puisse revenir. Attends, encore 14 000 euros de budget. Ouais, on a encore 14 000 euros. Ouais, mais on va pas tout dépenser quand même. On va éviter, mais essaye de nous garder au moins 2 000 euros de côté pour 3 000 euros de côté pour semer les champs et tout ça. Ah bah oui, mais surtout qu'il va falloir peut-être acheter un pulvé, non? Ou louer un pulvé? T'inquiète, paupiette. T'inquiète, ok, je m'inquiète. Allez, on range ça à l'abri, comme ça c'est fait. Du coup, on a déjà deux bâtiments sur la ferme. C'est pas mal. On commence à s'investir. Bah, moi, certains pourraient dire, ouais, mais c'est avant, on s'en fout des bâtiments. Au pire, tu les laisses dehors pour l'instant. Moi, je préfère. Enfin, j'ai envie que pour l'instant, tout soit quand même rangé dans les bâtiments. Moi, aussi. Même dans ma partie perso, j'ai horreur de ça de laisser un matériel dehors. Bah, moi, en général, je laisse tout en vrac. Mais je veux dire, c'est quand même plus d'avoir des bâtiments. Mais toi, tu t'en fous, toi, mais. Voilà, du coup, faut qu'on refasse le terrain. Mais du coup, la partie d'en haut, Hugo voudrait qu'on fasse des stockages d'herbe et de paille, ouais. Donc, peut-être qu'on refera ça peut-être un peu plus tard. Et cet arbre qui est derrière, les amis, je pense qu'on le vendra dans le bâtiment là, tu vois Hugo, l'arbre qui est derrière. Non mais j'ai vu tout à l'heure. D'ailleurs, du coup on va regarder pour les enclos. Alors pour l'instant on va regarder les enclos à moutons, mais je vous avoue que extra large sheep. Ah voilà, moi c'est ça que j'aurais voulu avoir. C'est un enclos comme ceci, genre en fait on le place vraiment, on met le bas de l'enclos je sais pas moi vraiment exactement, ou alors vraiment on met vraiment un enclos libre comme on veut, genre comme j'avais dit on le met en bas et on clôture vraiment l'enclos où est-ce qu'on veut. Peut-être ça aurait été le mieux, mais du coup 26 000 euros Hugo. En fait 26 000 euros t'as 30 pâturages et 28 000 t'en as 250. Alors au pire des cas, vous nous dites pas dans les commentaires, mais au pire des cas le celui à 26 000 je vais le modifier pour qu'on puisse en mettre genre 60 ou 70. Comme ça on en place 2 et on en a 140, tu vois, on aurait 140 moutons. Parce que lui, bon, ça fait que 250, ça fait gros. Genre, 250 moutons dans ce petit carré, ça fait beaucoup gros. Et l'avantage de l'autre, c'est qu'il n'y a pas de barrière, donc on peut créer nos barrières, nous, comme on veut. Et ça, c'est vraiment bien. Après, on peut se placer un petit enclos à poules, Hugo, si jamais t'es chaud. Bah, ouais, c'est mieux déjà les poules, déjà. Pour être bien, il faudrait les mettre là où le smoir, la benne et tout le bordel. Moi, j'aurais bien vu là. Ah, tu vois un enclos à poules ici, toi? Ouais, juste derrière la maison. Juste à côté de la maison. Par contre, j'ai pas la limite de l'enclos. Je connais pas les limites, y a pas les triggers. Ok, c'est bon. Bon Hugo, ça y est, bon les amis, yes. Du coup c'est placé. On s'est remboursé les sous parce qu'en fait j'ai placé l'enclos 3 fois pour pouvoir essayer de voir la zone où est-ce qu'il y a. Vu qu'il n'y a pas de barrière, on sait pas jusqu'où l'enclos va. Mais là normalement on est bon. Je vais juste remettre un petit peu d'herbe pour que ça fasse un peu plus joli. Alors du coup heureusement qu'on a mis ce fameux mode pour avoir l'herbe gratuite, parce que sinon c'est tellement cher. Voilà. Ok Hugo, je te laisse acheter quelques poules. Non. Bah ou j'achète comme tu veux. Bah vas-y, achète, je suis en train de... Mec, tu peux acheter des poussins. What? C'est trop bien. What? Je te jure, tu peux acheter des poussins et des canetons et des canards.
Ouais, vas-y, go faire des canards. Mec, on fait des canards. Attends, mais c'est trop stylé. Bah, ouais. Non, ouais, les canards, tu peux en faire quoi? Ouais, mais en fait, ça produit quoi? Des œufs? Tu penses? Mais what? Attends, mais je vais acheter 5 canards. Bon, les poules, c'est plus important quand même. On va acheter quand même des poules. Et les poules, tu peux pas acheter des poules jeunes ou vieilles. C'est genre. Elles coûtent 50 balles de base. Je vais acheter 20 poules pour commencer. Ça fait quand même 1000 balles. Et je vais acheter quand même des coques parce que ça, c'est pour reproduire. On va acheter, je sais pas, 2 coques. Je sais pas si ça suffit. Voilà. Donc là, j'ai mes trucs. Et. Mais mec, c'est incroyable. Attends, je vais lui quand même décorer la zone. Bam. Peindre. On va mettre gentil quelques petites. Tuc. Attends, mais. Ah, mais elle se balade beaucoup trop loin. Merde, ça traverse la route. Bah, c'est pas grave. Ça va là-bas, ici. Elle se promène. Ouais, non, c'est trop, ça va pas là. Bah, si, il y a des limitations, je pense. Mais non, regarde, ils sont même dans le champ de labour qui est devant la maison. Bah, oui, mais je pense là, il y a une limite, ah, mais. Ah, les poules qui volent maintenant. Attends, elle a même une poule dans le garage ou c'est moi? Mais mec, il y a des poules partout. Les amis, réellement, est-ce que vous voulez qu'on le laisse comme ça? Genre, ça peut faire vraiment genre en mode réaliste, vu que les poules se baladent, en fait, clairement. Genre, on dessine quand même un enclos ici, mais les poules, on va dire qu'elles peuvent se balader. Ou alors, on change d'enclos et on met vraiment des limites, parce que là, mec... Ah, bah là, des poules qui sont en train de nager, maintenant. Non, mais attends... En vrai, t'as jamais vu des vieilles fermes où les poules, ils se prennent dans mais toutes... Mais si, par chez moi, c'est ça, mais du coup, est-ce qu'on fait ça? Parce que là, elles sont quand même sur la route, quoi. En vrai, on voit ça dans les commentaires. Hein. Bon, si bref, mettez-nous ça en commentaire et on verra. Pour l'instant, on laisse comme ça. Niveau des barrières, on mettra quand même des barrières ou on peut quand même mettre... On va quand même mettre d'autres barrières, quand même, pour essayer de faire un truc stylé. Ah, t'as accroché au buggy. Oh, la hydraulique sur le buggy. Ça, c'est vraiment mal fait. Décoration. Alors, qu'est-ce qu'on a comme. Ah, voilà, clôture pour poule, c'est un peu ça, je crois. Mais là, on va pas mettre jusqu'à la route. Une barrière? Bah, ouais. Bah, non, comme tout le monde peut se promener. Un petit peu de boue, des conneries. Tac, tac, tac. Bon, bref, du coup, on fait comment là? Non, mais pas ça. Oh, mais putain, Hugo! Bon, on mettra plus tard. Si tu peux vendre. Il y a des animaux. Oh, mec! Là! Nickel là! Attends, peut-être je pourrais. Faut le pousser quand ça se sert. Attends. Prends le gator! Oh bah si, c'est bon. Mais non, mais repousse-le! Oui! C'est bon, on a réussi à le vendre! Oh nickel, les amis! Regardez ça, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Le poulailler est bon. Bon, les poules, par contre, elles rentrent par la fenêtre là-bas. C'est pas le choix. Bon, oui. Les amis, là, il restera quelques petites décorations à faire. J'ai mis une petite décoration dans le fond et tout. Vraiment, vous nous dites si on le laisse ou non. Juste que bah, ce qui est pas très réaliste, mais d'un côté, ça peut être sympa. Hein. C'est que les poules se baladent partout. Alors, est-ce que du coup, genre à des endroits où c'est que les poules peuvent se balader, bah, au pire, on mettra pas de bâtiment. Genre, on fera des chemins ou des décorations. Mais voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, les amis. C'était Stervio. En tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé. Hugo, merci beaucoup d'être venu. Bah, de rien, c'était cool. Hein. C'était cool. On a plus beaucoup d'argent, plus que 7000 euros. Mais vous inquiétez pas, le palier réussi, on s'est acheté un nouveau champ. Il faudra qu'on le resème. Rendez-vous du coup demain en live, les amis. N'hésitez pas à proposer du coup les objectifs du palier numéro 2. Il en reste 2 à proposer. Voilà, c'était Star et Hugo, les amis. Rendez-vous demain soir à 20h30 pour un nouveau live. Allez, ciao à tous.